losers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Homefront. Homefront Révolution, voilà. Jeu qui est disponible sur Instant Gaming pour un peu moins de 30€ sur PC. Hein. Ils vont nous retrouver. Voilà. On doit donc localiser une planque. Vraiment super bien. Je suis vraiment au tout début les potos. Tu peux le faire, Brady. Donc voilà. Hop, c'est parti. Alors qu'est-ce qui se passe là? On peut looter. Y'a rien. Y'a rien. T'es notre seul espoir. Ouais, rien du tout dedans. Je sais pas pourquoi. What the fuck. Oh, d'accord. Ils vont nous retrouver. On alors, doit localiser une planque. Par rapport au premier opus, les poteaux là, on est carrément sur quelque chose d'autre là. On est carrément sur un truc différent. Déjà, bah, déjà là je l'ai fait tourner sur le PC. Hein. Alors attendez. D'accord, ok. Ah c'est stylé, regardez les gars. Carte, les messages, transpondeur, journal. Oh what the fuck. Ok. Alors oui, excusez-moi, parce que je suis aussi concentré dans le jeu les gars. Donc voilà, le jeu tourne en élevé. Je suis environ 40 FPS. Enfin je tourne entre 30 et 40. Donc c'est relativement plutôt correct. Hein, pour ceux qui savent ma config, voilà. Qu'est-ce que ça signifie ce je sais pas. Pour ceux qui savent ma config, hein, je suis en i7 avec une GTX 750 Ti. Désolé mais t'as pas vu un colis pour ma porte hier. Ah et carrément dans un monde ouvert les gars. Carrément dans un monde ouvert. Hé, hey, je surveille cet endroit depuis un moment. Je crois qu'il n'y a personne. Attention, une opération de sécurité est en cours dans cette zone. Les trajets sont momentanément interrompus. Attention, une opération de sécurité. Alors là, on est dans une. Les trajets sont momentanément interrompus. Okay. Ça me fait rire, je joue des trucs, y'a rien du tout les gars. Ouais, lol. Alors, pour en revenir un peu au jeu, j'ai joué au premier opus les gars. J'ai joué au premier opus, il m'a vraiment extrêmement déçu. J'ai joué parce que je l'avais acheté genre 10€ sur Amazon, vraiment un jeu pas cher du tout hein, à l'époque sur PS3. C'est vraiment pour ça que je l'avais acheté les gars, parce que sinon je pense que j'aurais pas du tout acheté. Ah d'accord, ça m'ajoute des trucs, ok d'accord, super. Ok, je commence à résoudre. D'accord, ok, donc looter, ça commence à devenir important en fait. Donc là, je dois être dans la zone, hein, le temps que ce sont des emplacements. D'accord, ok. Ok, ok, d'accord, ok. Donc ça me sert à quoi là. Torche, d'accord. D'accord, ok. Je peux ici, je peux récupérer du matos. D'accord. C'est des petites plantes qui sont assez sympas quand même. Hop, allez, c'est parti. On va trouver le même maintenant.
Il est en bas, ok. Attention, une opération de sécurité est en cours dans... Mais lâche-moi, s'il te plaît. J'ai bien entendu. Manquez de respect à la PC encore une fois, et c'est la zone interdite pour vous. On verra combien de temps vous tiendrez là-bas. Dégagez. Attention, une opération de sécurité est en cours dans cette zone. Les trajets sont momentanément interrompus. J'ai vu qu'il y avait un coffre là, mais j'irai le prendre après. Très souvent, les gens m'ont dit, petit, ça tourne pas rond dans la tête. C'est vraiment bien stylé. Il me fait penser un peu à Homefront. Excusez-moi, putain, Homefront, n'importe quoi. À The Division en fait. Excusez-moi, on s'est déjà vu. Hé mon pote, je vends tout. Des puits chargés à blog. Ah, j'ai une humeur et tout. Sans déconner. Pardon. Vous voyez des horloges, des radios. On va mourir un peu, on est un peu là. Attention, une opération de sécurité est en cours dans cette zone. Les trajets sont momentanément interrompus. Maniabilité au top les gars, rien à dire. Hop. C'est juste moi que c'est pas marché droit en fait. On va pas essayer de se faire opérer comme ça au calme. Attention, une opération de sécurité est en cours dans cette zone. Les trajets sont momentanément interrompus. Oula, c'est chaud. Alors, un ami dans le besoin. D'accord, ok. J'ai piraté leur truc. Voilà, ça devient chaud les gars. Putain, ils ont eu Walker. Arrêtez, laissez-le. Walker. J'y crois pas. C'est Walker. Ça change rien. Putain, ils ont eu Walker. Tu m'entends? Qu'est-ce qu'on doit faire? D'autres prendront ma place. Vous pourrez pas arrêter. Lâchez-moi, putain! Lâchez-moi! J'y crois pas. Ils l'ont eu. Vous avez vu sa jambe? La vache. Ouais, bon, là c'est mort pour mon pote, les gars. On se barre. Donc on se fasse pécho. Attention, une opération de sécurité. C'était Walker? T'as vu sa jambe? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi prendre un tel risque? Maintenant, ils l'ont arrêté. J'adore. Voilà. T'as fait une pécho, lui, je sais pas ce que j'ai fait, mec. Attendez, ça sera super. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes perdu? Attention, une
Ça va? Vous avez l'air, je vous plaît. What? Ça marche pas. C'est pas ici. Hop. Vous avez pas d'argent? J'ai besoin de nouveaux torchons. Je n'ai presque plus de café et ma boîte de médicaments. Ouais, il y a un peu des gens. Oh, merde. Attention. Une opération de sécurité est en cours dans cette. On y arrive les gars, on y arrive. Vraiment stylé les gars. Je ne sais pas ce que je cherche là. Il faudrait peut-être que je check l'objectif de la mission. Alors attendez. Alors, mon téléphone, c'est ça. Alors, journal de mission. Ok, c'est l'entrée du tunnel. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est là. Voilà. What? Pas mal, pas mal. C'est du lourd le truc. Faut qu'on loot. Ah, c'est parti. Ah mais ouais, d'accord. De toute façon, j'ai toujours bien aimé les gars les jeux un peu de résistance comme ça. Hein. Voilà, c'est chaud quand même parce que. C'est vraiment bien fait par rapport à avant. Putain, c'est oufissime quand même. Voilà. What? Alors là, on va où? Ah voilà, hop, là on va là. On doit aller dire que Walker... Voilà. Oh, what the fuck. Yeah! Prends ça, connard! T'as vu ça, Skuz? Il a carrément rien vu venir, et bim! J'ai vu. Tu vas où comme ça, hein? Enculé d'espion, enculé de traître! Tu veux nous donner au Norco pour une poignée de riz, c'est ça? On va lui donner une bonne leçon. J'y vais en premier. Molo, Bex. Dana a dit qu'on devait la prévenir si on chopait quelqu'un. Tu veux pas la foutre en rogne, hein? Putain, nous sommes... oh, on est pas même pas d'espion, les gars. Juste, qu'elle m'en laissera un peu. Compte pas trop là-dessus. Ils nous font chier. Je pense pas qu'on va se revoir.
Bon, ben voilà où... Voilà les potos. On se laisse sur ces dernières images. Oh, léger, le con. Il sera moins lourd quand Dana en aura fini avec lui. Allez, ciao. Ouais.